mange, il dort. Le citoyen, c'est celui qui travaille, mais qui s'implique dans le développement de sa localité, de sa ville, de son quartier. Alors ici, aux élections locales, les partis politiques vont présenter les listes, les candidats indépendants vont présenter des listes. Voilà une des spécificités. Donc c'est ouvert. Et puis, je crois que, comme c'est des élections de proximité, je crois que la pratique sociale des futurs candidats va être, disons, un élément important. Ce que les électeurs doivent voir, c'est de désigner des gens qui veulent s'investir pour le développement de leur localité. Vous savez, les élus sont des élus locaux. Ils n'ont pas, ce ne sont pas des élus nationaux comme les députés, par exemple. C'est des élus locaux qui doivent exercer le pouvoir à la base. La circonscription électorale, dans ce cas aussi, quand il s'agit des élus, c'est les arrondissements à la circonscription électorale. Il faut d'abord être élu conseil au niveau de l'arrondissement avant de prétendre à haute poste. Et quand il s'agit des élections au niveau des chefs quartiers, des villages, évidemment, la circonscription électorale, dans ce cas, c'est soit le quartier ou le village. Moment de débat et de confrontation d'idées sur les meilleurs projets de société, les élections locales constituent par excellence l'occasion de parler développement et d'élire les personnes capables de mobiliser les énergies au service de la cité. Comment peut-on sauvegarder ces enjeux lors des élections locales prochaines et permettre à la décentralisation d'atteindre son objectif de promouvoir le développement local dans un cadre démocratique de participation? Ce que je souhaite, c'est que on fasse mieux qu'en 2002-2003. C'est-à-dire que on choisisse des élus locaux, des équipes municipales, disons, compétents, efficaces. Et j'ai dit, et je le répète, quand on veut être conseiller communal simple ou conseiller municipal simple, on n'a pas besoin d'un niveau, d'un diplôme, de mon point de vue. Mais une fois élu conseiller, qu'on veut être maire, agent maire, mais on veut diriger une administration locale. Une administration locale, mais il y a un volet technique incontournable. Élaborer le budget d'une commune, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec votre appartenance partisane. Que vous soyez rouge, blanc, noir, le budget c'est technique, un plan de développement. Donc je crois qu'au niveau de l'exécutif, il faut que quand même on mette des gens qui aient un profil technique adéquat. Aujourd'hui, on ne peut pas développer nos communes si on n'a pas des équipes municipales de qualité. C'est pas possible. Et donc, mon souhait, c'est que les gens fassent le bon choix. Une sensibilisation plus accrue afin que la population se sente beaucoup plus associée, afin qu'on comprenne qu'il y a une réciprocité entre les élus et la population, et afin que le travail se fasse maintenant. Après cette phase de sensibilisation, il faut forcément cette fois-ci que la population, une fois qu'elle a compris ce que c'est que la décentralisation, puisse choisir des gens capables d'exercer le pouvoir à la base. Parce qu'on parle d'exercice du pouvoir, on parle de transfert de compétences, ce n'est pas facile de le faire, il faut des gens à même de le faire. Parce que la destinée d'une commune à gérer, ce n'est pas une chose facile, et ne le fait pas qui veut, il faut forcément des gens capables
faut des gens préparés, il faut des gens qui ont une capacité de gestion, il faut des gens qui sont capables d'observer une certaine transparence afin que la population puisse tirer le meilleur profit de la décentralisation. L'organisation d'une élection est un long processus fait de diverses étapes. Vote de la loi électorale, sa vulgarisation, désignation des organes chargés de la gestion du scrutin, inscription sur les listes électorales, vote et gestion du contentieux, etc. Chacune de ces étapes fait intervenir des acteurs précis, de sorte que la bonne organisation d'un scrutin n'est jamais le fait de quelques-uns seulement, mais dépend de la conjugaison des efforts. La commune a un très grand rôle à jouer dans le déroulement même des élections locales. Le maire est garant de la sécurité. Et lorsqu'on parle d'élection, il faut forcément que la sécurité soit garantie. Lorsqu'on parle d'élection, il faut forcément superviser. Et dans ces conditions, aussi bien le maire que les chefs d'arrondissement jouent un très grand rôle. Ils coordonnent avec les CEA, les SEC, parce que les demandeurs de la Sénat sont les premiers qui répondent des élections. Il n'en demeure pas moins que le maire et ses adjoints sont là pour les appuyer, pour les accompagner, pour travailler à ce que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. De la société civile qui ont déjà l'habitude de couvrir ces élections devront opérer cette couverture mieux que par le passé et donc assurer une présence effective pour permettre cette appropriation par la population du système électoral local. Et les acteurs devront faire en sorte que eh bien, la voix des populations puisse compter pour ce qu'elle vaut, de sorte que l'élu soit véritablement celui qui a été choisi par ces populations. Nous attendons que chacun des acteurs puisse assumer, donc la société civile bien entendu, mais encore le gouvernement, mais ensuite les citoyens eux-mêmes, les partis politiques et les citoyens, j'allais dire indépendants, les personnalités indépendantes qui entendent dans leur localité respective assumer un certain rôle. Les médias ont une grande responsabilité dans le processus électoral. Leur comportement pèse lourdement sur le choix des citoyens. C'est pourquoi ils doivent mettre leur liberté d'expression au service de la paix sociale et du développement. Le premier défi pour la presse, c'est de s'informer elle-même sur les spécificités et les enjeux de la décentralisation qui font des élections locales des élections particulières. La deuxième responsabilité, c'est que à travers nos plumes, à travers nos micros, à travers nos caméras, nous devons œuvrer pour que les citoyens, les électeurs et même les candidats puissent comprendre véritablement les enjeux de la décentralisation. Et il s'agit d'aller à une élection avec beaucoup de cœur, beaucoup de détermination pour conduire la commune, chacune de nos 77 communes, vers l'émergence. Vous savez, avant chaque élection, les journalistes béninois se forment pour connaître leur rôle et pour l'exercer suffisamment à l'occasion des élections. Et vous savez que la période électorale est une période de tension. Nous avons toujours joué notre rôle pour apaiser la population et les inviter à aller voter démocratiquement et en toute transparence. La période d'après-élection est une période assez intense et assez sensible parce que tout le monde attend les résultats des élections et il faut la presse pour travailler à amener la population à accepter. Nous l'avons toujours fait et en ce qui concerne les élections locales où il faut élire les autorités à la base, nous l'avons fait à l'occasion des élections de 2002 et de 2003 et je crois qu'en ce qui concerne les prochaines élections locales, la presse va encore jouer sa partition, elle en est pleinement consciente. Le ministère en charge de la décentralisation n'est pas en marge du processus électoral. Et dans le cadre du scrutin de 2008,
le ministère se prépare activement à jouer sa partition. Comme vous le savez, la loi électorale responsabilise la Sénat. C'est la Sénat qui organise le programme. Donc le rôle de mon département ministériel, c'est de collaborer avec les structures, les démembrements de la Sénat. Parce que bon, on a quand même une administration territoriale, une administration décentralisée avec des structures, avec des équipements qui peuvent servir au démembrement de la Sénat pour mener à bien leur mission. Donc je dois proposer au gouvernement, évidemment, le décret qui convoque le corps électoral. Nous sommes disposés à avoir un partenariat avec la future Sénat pour qu'on organise des élections fiables, transparentes. Les prochaines élections communales et municipales exigent notamment des électeurs et des personnes à élire un certain nombre de comportements pour que la sincérité du scrutin soit sauve, pour que la paix sociale soit sauvegardée et que nos collectivités locales aient à leur tête des dirigeants entreprenants et soucieux du développement à la base. Il appartient à chaque citoyen résident dans les localités eh bien, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est un enjeu important. On ne peut pas voter lorsqu'on n'est pas inscrit sur une liste électorale. Et deuxième acte, est aller voter le jour des opérations électorales et faire en sorte d'éviter la violence, faire en sorte d'éviter la propagande le jour des élections. Il est bien entendu clair dans tous les esprits que la campagne s'arrête à l'avant-veille du jour des élections. Et donc, il faut faire en sorte que les élections puissent se dérouler dans la paix et dans la tranquillité. Et c'est un comportement que nous appelons tous les citoyens à avoir pour nous permettre donc de vivre ces élections dans la fête. Pour le candidat, déjà dans cette phase pré-électorale, eh bien, avoir des comportements qui puissent le déterminer à assurer la gestion de ces municipalités. Et dans la phase électorale, j'allais dire la période de la campagne électorale, avoir des attitudes, des comportements et qui soient aux antipodes, j'allais dire, de la violence, hein, de l'injure, de la fraude, aussi bien donc dans cette période de campagne que le jour des élections et même après les opérations électorales dans la phase post-électorale. Le processus électoral ne finit pas au soir du vote ni à la proclamation des résultats. La gestion du contentieux électoral local confiée à la Cour suprême fait de cette dernière un acteur privilégié du processus des élections communales et municipales. Dans une approche pédagogique, j'indiquerai qu'il y a quatre types de contentieux. Le contentieux des listes électorales, le contentieux des candidatures, le contentieux des résultats et le contentieux de l'élection des maires et de leurs adjoints. En dehors des quatre types de contentieux, il y a des contentieux intermédiaires, par exemple les contentieux relatifs à certains actes posés par l'organe chargé d'organiser les élections, à savoir la Sénat, le contentieux de campagne électorale, le contentieux, pourquoi pas, de calendrier électoral. La liste n'est pas exhaustive. Les élections ne sont pas un moment de violence, mais un grand instant de dialogue national, de débat de fond sur les défis majeurs de développement. Telle est la principale attente des partenaires au développement du Bénin. Les partenaires au développement, comme vous le savez, manifestent beaucoup d'intérêt pour la décentralisation au Bénin. L'intérêt des partenaires, c'est que, pour ce que je sais, c'est que ces élections se passent très bien, en de très bonnes conditions, et que la qualité des conseillers communaux au niveau des communes, que cette qualité soit améliorée pour une meilleure conduite des affaires publiques locales. Et ce n'est qu'après cela que les partenaires pourront
et continuer leurs appuis qui existent. Mais en cela, il me semble important de souligner que pour optimiser les appuis des partenaires, le gouvernement devra les y aider en précisant lui-même sa vision des choses, comment est-ce qu'il compte mettre en œuvre cette réforme, parce que comme je l'ai noté tantôt, il y a bien des questions en suspens, notamment sur les modalités de répartition des transferts financiers aux communes. Il est vrai que beaucoup de réflexions ont été faites sur ce sujet, mais les options restent à définir par le gouvernement. Je parle par exemple de l'étude sur le FADEC, du Fonds d'appui au développement des communes, qui offre une perspective heureuse parce que ça permettra de mettre en place un dispositif pérenne de financement des budgets communaux. Mais il appartient au gouvernement de prendre une option claire par rapport à cette étude et après cela, ses partenaires pourront l'accompagner. Et je ne doute pas, au regard de ce que je sais, que bien des appuis sont en attente pour être canalisés. Et c'est pour cela que j'invite une fois encore le gouvernement à aller très vite dans la résolution de ces questions relatives aux transferts financiers. Les élections permettent de juger et de sanctionner le comportement des dirigeants sur leurs discours et conduite politique. Et si on ne change pas une équipe qui gagne, on ne devrait pas non plus reconduire une équipe qui s'accommode du statu quo préjudiciable à l'émancipation socio-économique des populations. Chaque acteur impliqué dans le processus électoral a le devoir de prendre une part active à la consolidation de la démocratie, au renforcement de l'unité nationale et à la promotion de l'image de marque du Bénin, pays de paix et de stabilité. Ce serait porter un grand préjudice au processus de la décentralisation et donc au processus de développement national tout court, que de ne pas faire des prochaines élections communales et municipales une grande fête de démocratie, facteur de progrès pour les communautés à la base. La mandature locale finissante a suscité des défis importants sur lesquels il convient que les futurs gestionnaires de nos communes soient sensibilisés et se prononcent. La réussite du processus électoral se mesurera notamment à la qualité des propositions des uns et des autres pour sortir la décentralisation de la morosité actuelle et de la hisser au rang de priorité nationale. La démocratie locale repose sur un contrat implicite. Le postulat que l'élu qui reçoit un mandat des électeurs aura le comportement qu'on attend de lui et que sa politique sera celle qu'il a proposée. Vous êtes bien sûr Radio Toyon. Voici donc notre flash d'information. Le maire vient d'ouvrir la session ordinaire du conseil communal qui se tient ce jour et demain à la mairie. Qu'est-ce qui nous concerne dans leur affaire de session là? Frère, ce sont eux qui gèrent leurs choses là-bas. Ne dis pas ça. C'est nous-mêmes qui les avons élus là. Et si? Et les tests nous permettent de participer aux séances de la commune. Tout le monde peut participer aux séances du conseil de la commune. Car c'est ensemble, avec le maire et ses conseillers, que nous allons développer notre commune. Ah, Jossou, non, attends, Jossou, c'est toi qui parles comme ça? Oui,
Mais on dirait que tu as la mémoire courte, une mémoire tu as bidié. Mais, écoute-moi. Quand Agosso voulait se faire élire conseiller là, hein? Il faisait des portes à portes même la nuit. Est-ce que vous nous sollicitez? Et maintenant, ne nous a-t-il pas oublié? Et c'est le moment d'en parler avec lui. Car il reviendra pour solliciter un nouveau mandat. Hein? Et c'est ce que tu viens de me dire tout à l'heure là. C'est le moment d'inviter Agosso. Pour qu'ils viennent expliquer ce qu'ils font à la mairie. Il faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils font à la mairie. Bon, on doit pas prendre jamais son diplôme. Toi, tu es arrivé à l'heure. Tu es vraiment à l'heure. Tu es belle. Non, c'est la femme de Truite. Et alors quoi, bon? Venez voir. Ayawa Gagné. Ça va. Oui, je ne viendrai pas là-bas. Hein. Je vais avoir faim et aller là-bas. Mes frères, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Vous savez, mes frères, les choses essentielles viennent. Ça commence. Nous devons être déjà sur le terrain en train de travailler, mobiliser les gens. Ça, c'est pour les campagnes électorales. Monsieur Agosso, on ne vous a pas invité ici pour venir nous parler de ça. Mais plutôt, vous venez nous expliquer ce que vous faites à la mairie. Voilà. Mmh. J'ai mal parlé. Non. Alors, toi, Capel, bon. Ce ne sont pas des enfants. Frère, tu as raison. Vous savez, au conseil communal, je peux vous le dire, en peu de temps, nous avons fait beaucoup de choses pour notre commune. Hein? Comme quoi? Par exemple, faire construire des modules de classe. On a appris ça à la radio. Quelque chose du genre. Oui. Nous avons fait construire aussi des centres de santé. Il paraît. Des centres de loisirs pour jeunes. Nous aurions pu mieux faire si vous nous aviez aidé. Comment? Mais comment? Si vous nous aviez aidé en payant régulièrement vos impôts. Ah, moi je paie mes impôts. Et surtout en participant à la prise de décision de la commune. Hein? Même concernant le budget. Vous n'êtes pas là seulement pour nous élire, mais également pour nous accompagner dans la gestion des affaires de la mairie. Hé! Hey, hé! Hey, l'heure de la vérité a sonné. Moi, ma fille qui connaît bien la décentralisation, m'a expliqué que le maire et le conseil communal doivent, premièrement, associer tous les citoyens à de grandes décisions prises pour le devenir de leur commune. Ces choix de développement afin que ces décisions prennent en compte nos aspirations. Et même pour élaborer le budget de notre commune, nous devons être associés. Hein? Oui. Et deuxièmement, vous devez, écoutez-moi bien, vous devez nous rendre compte régulièrement de ce que vous faites et de comment vous utilisez notre argent. Mais vous aussi, les citoyens, vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire. Comment? Ah, mais si on vous veut aux sessions du conseil communal et on ne voit personne. Ah, moi je vais au champ. Moi je vais, moi, au, je champ. Vais au marché. Moi je vais au champ. Mais vous êtes payé pour ça. La loi vous autorise d'aller demander copie à la mairie de toute décision prise par la mairie, même concernant le budget. Je vous ai dit, dans cette affaire, on ne peut et on ne doit rien faire sans vous. Malheureusement, on vous invite aux différentes sessions du conseil communal et personne ne vient. Disons match nul. Hein? On met la balle à terre. Ah comme oui, ça là, je l'espère. Il faut que désormais là, chacun puisse jouer son rôle. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Nous citoyens là, hommes, femmes, nous devons tous payer nos impôts et taxes. Oui. Ça me concerne aussi. Ah, il concerne contourner. Participer à la prise des décisions et exiger de nos élus là des comptes rendus. Oui. Fidèles. Oui. Fidèles, ah, voilà. Fidèles. Nous les élus, on est déjà en avance. Il y a mieux. Et nous avons changé notre slogan. Ah bon, et c'est lequel? Désormais, notre slogan, c'est faire émerger notre commune. Avec la méthode participative. Émergence aura commune, mais. Ah, écoutez, qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas seulement au sommet de l'État. Ah là, donc, c'est du. Ça doit descendre là-bas. Donc, on peut dire que c'est de l'émergence décentralisée. Décentralisée. Tout doit être désormais clair. On doit vous associer à tout. Femmes, hommes, jeunes, ensemble. Et ça s'appelle
la source de la commune émergente. Wati pati mitondi ewa ezo! Aluasio! Oh! Oh! Pati mitondi ewa! Mirano edo apetoa! Mirano e kote kote! Mora ewa e kebe kebe! Mete la mimino fia! Enfant d'Aguea! Je suis très content! Très très content que vous soyez si nombreux. La première des choses, à ma droite, vous avez notre candidate, Madame Zouré. C'est elle, notre candidate, dans notre commune ici. Hein? Elle est en même temps tête de liste. David. Moi, je crois que c'est pour quelque chose de ce qu'on nous a invité. C'est une femme qu'on nous présente pour une tête de liste. S'ils n'ont pas encore de président, ils n'ont qu'à changer. Oh. Ça, oui. Vous avez là l'homme de sa vie. Vous avez sa belle-sœur. Et enfin, vous avez son papa. En plus, vous la connaissez très bien. Et vous savez tout son dévouement pour les activités de développement à la base. Ses qualités, son travail, c'est pour ça aussi que nous l'avons choisi tête de liste. Je vais laisser la parole à son père pour vous parler. Merci beaucoup. Mes chers enfants, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous remercie du fond de mon cœur. Je vais vous faire une confidence très familiale. Vous savez très bien aujourd'hui, partout dans le monde, il est démontré que le développement d'une nation ou d'une localité ne peut se faire que, écoutez-moi bien, que si les hommes et les femmes travaillent ensemble. Ce développement-là ne peut se faire que si il y a concertation et qu'au niveau des postes de décision, il y a femmes et hommes. Il faut qu'il y ait équité. L'équité, c'est quoi? C'est que quand on met une femme, on met un homme. Quand on met un homme, on met une femme. Que ce soit des femmes de bonne moralité, des hommes de bonne moralité, qui ont pitié, qui ont la foi que le développement ne peut se construire que lorsqu'on est ensemble et qu'on travaille dans une vision collective et claire. Désormais, il faut soutenir les filles. Elles ont une intelligence aussi vicieuse que les hommes. Et elles savent discerner les problèmes. Elles sont plus prudentes. C'est ça que nous avons accompli. Et mon souhait en tant que papa, c'est que tout le monde le comprenne. De l'enfant à l'adulte jusqu'aux personnes âgées. C'est de comprendre que la femme est le levier de la société. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens. C'est ce que moi j'ai compris.